détail de direction avec une ouverture qui aide l'arbre à tomber dans la direction désirée, sans que sa chute ne soit freinée par la souche. Elle doit se pratiquer sur tous les arbres dont le diamètre est égal ou supérieur à 15 cm, ou si plus. Le trait d'abattage sert à confectionner la partie arrière de la charnière. Il doit être fait à au moins 2,5 cm ou un pouce au-dessus de la pointe de l'entaille.